Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici Maître P, gardien de la tradition. Que le Créateur et les mânes de nos ancêtres nous accordent la santé et la vie. Surtout la santé. Nous avons besoin de santé. Mais aussi la vie. Pour que nous puissions vivre vieux, c'est important de vivre jusqu'à la vieillesse. Parce que l'objectif du Créateur, c'est de nous laisser sous terre jusqu'à la vieillesse, mais en bonne santé. Et dans de bonnes conditions aussi. Avec une vie aussi difficile. Ici Maître P, avocat des femmes, gardien de la tradition. Prenez votre petit carnet et écrivez. La dernière fois, je vous ai déjà donné deux actes concernant le mariage. Et il reste acte 3. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire l'acte 3. Je vais vous faire quelque chose sur un certain nombre de demandes. Je vais me demander quelque chose pour éliminer la malchance qui persiste. Donc je vais vous donner un petit secret radical. Vous savez déjà que quand je vous donne quelque chose, c'est efficace. Ça permet au moins d'utiliser cette composition avant de faire une recette ou un rituel pour utiliser cette préparation. Pour cela, vous aurez besoin de quoi? Des feuilles fraîches de basilic et des feuilles fraîches de romarin et un peu de parfum Mont-Saint-Michel, ambré. Une petite bouteille vide propre. Comment vous allez procéder? Regardez comment vous allez faire. Hein? Vous mettez feuilles de romarin, basilic, vous mettez ensemble et faites comme si vous voulez les entortiller ensemble et vous dites ma vie en ce moment est embrouillée et mêlée et attachée, je le détache maintenant. Vous dites voilà, je détache ma situation. Donc vous prenez les feuilles de romarin, vous mettez dans le fioul. Vous essayez de faire en sorte que ça puisse faire trois parties. Voilà. Deuxième partie. Troisième partie. Mais s'il reste encore des petites feuilles, vous pouvez le mettre dedans, c'est pas grave. Basilic, c'est la même chose. Mettez dedans en trois parties. C'est très efficace cette composition. Une fois. Deux fois. Et trois fois. Maintenant, vous prenez le parfum Mont-Saint-Michel ambré. À l'intérieur. Je vais tout mettre puisque quand je prépare les choses comme ça, il y a toujours une personne qui me demande, il veut récupérer les préparations que Maître P prépare en direct. Donc c'est toujours destiné à une personne ou à moi-même éventuellement. Donc vous secouez. Donc vous avez mis à l'intérieur les feuilles de romarin, les feuilles de basilic et du parfum Mont-Saint-Michel ambré. Vous pouvez mettre ça dans une plus grande bouteille. Hein. Vous pouvez mettre une grosse bouteille de. Peu importe la bouteille. Vous pouvez prendre une bouteille carrément de Mont-Saint-Michel ambré et des feuilles de romarin fraîches. Bon, si vous ne trouvez pas de feuilles de romarin fraîches, vous essayez d'aller dans les endroits où on voit les. Vous pouvez trouver de l'huile essentielle romarin et l'huile essentielle de basilic. Et à ce moment-là, vous mettez 101 gouttes d'huile essentielle romarin, 101 gouttes d'huile essentielle basilic. Si vous ne trouvez pas les feuilles, comme je vous ai montré. D'accord? Et vous remuez bien. Et vous allez laisser ça
tremper 7 jours. Donc vous pouvez le faire n'importe quel jour, mais notez le jour que vous l'avez fait et à l'heure que vous l'avez composé. Le jour et l'heure. Peu importe le jour et l'heure. Donc une fois que c'est préparé comme ça, vous laissez tremper pendant 7 jours. Vous mettez ça dans un coin, vous notez. Maintenant, vous savez que pour les gens à l'ancienne, ils peuvent mettre ça sur un calendrier ou autre. Bon, les gens un peu plus modernes qui ont des téléphones portables, ils peuvent mettre l'alarme, ils savent tel jour, ils comptent le jour et l'alarme se déclenchera pour les informer, bon, le parfum est prêt. Donc, à partir du 8e jour, donc vous allez laisser 7 jours à partir du 8e jour, quand vous faites votre eau de bain, vous êtes lavé le matin, ça se fait le matin. Pourquoi le matin? Parce que vous venez de vous réveiller, donc vous avez toutes les énergies de la nuit sur vous et vous avez besoin de rentrer dans une nouvelle journée. Mais ce qui est important, sauf exceptionnellement pour les gens qui travaillent, comme j'avais déjà précisé lors de certaines vidéos, les gens qui travaillent dans la nuit et puis bon, qui se réveillent, qui rentrent très tard au petit matin, sont obligés de dormir un peu, c'est pas grave. C'est-à-dire au réveil, peu importe l'heure que vous êtes réveillé, à partir du moment où c'est au réveil qu'on fait ça. Sans parler à quelqu'un, vous allez dans votre douche, vous vous lavez avec votre savon et votre eau d'abord. Et ensuite, vous prenez une petite cuvette, vous mettez de l'eau dedans et vous prenez votre mélange, vous secouez bien. Je vais dire ça a trempé déjà 7 jours. Vous secouez bien. Et vous prenez un peu, peut-être vous pouvez prendre un bouchon, vous versez dans votre petite cuvette qui a de l'eau normale, de l'eau du robinet. Ensuite, vous déposez votre petite composition de côté et vous prenez l'eau de la cuvette et vous vous rincez avec. Et vous dites, malchance, guillon, dévène, toute chose néfaste, négative, qui persiste contre moi. Les gens ne m'aiment pas, les gens n'arrivent pas à me voir. Tout ce que vous avez comme problème, vous expliquez et vous vous lavez avec le tout. La quantité d'eau qui est dans la petite cuvette. Quand vous avez fini, vous restez là, vous laissez sécher. C'est fini. Maintenant, une fois séché, si vous avez d'autres préparations de parfum ou autre, ou bien d'autres choses que vous utilisez, mais vous pouvez les utiliser. Mais ça, c'est très important. Quand ça diminue, vous rajoutez quand c'est peut-être en fonction de la bouteille. Comme je vous dis, il n'y a pas de taille. Là, je l'ai mis dans une petite bouteille. Vous pouvez prendre une plus grosse bouteille de Mont-Saint-Michel, vous pouvez prendre une plus grosse bouteille puis rajouter, et vous pouvez prendre plus de quantité de basilic, plus de quantité de romarin. Mais l'essentiel, c'est de le faire la même façon que je vous l'ai montré, même si c'est une grosse branche, et en fonction du récipient, du contenant que vous allez utiliser, pour que tout puisse rentrer dedans. C'est pas, il faut le casser en trois pour le romarin. Trois branches de romarin, c'est la même branche que vous coupez en trois pour le romarin, la même branche de basilic vous coupez en trois pour le basilic. Maintenant, vous mettez le Mont-Saint-Michel dedans et vous marquez l'heure que vous avez fait la composition. Vous laissez là 7 jours tremper. Vous pouvez cacher ça quelque part, 7 jours. 8e jour, vous pouvez l'utiliser au réveil. Donc, comme j'avais déjà expliqué tout à l'heure, là, au réveil, la personne peut-être peut passer la garde, peut-être la personne dort, elle peut se réveiller peut-être au cours de la matinée ou peu importe. Dès que vous êtes réveillé, c'est un matin, vous êtes réveillé, peu importe l'heure, avant de parler à quelqu'un, vous prenez votre douche avec votre savon normalement et vous mettez un peu d'eau dans une cuvette. Vous ajoutez un bouchon de la composition après l'avoir secoué d'abord. Vous secouez bien d'abord. Vous ajoutez un bouchon de la composition, la petite cuvette d'eau. Et vous prenez l'eau de la petite cuvette, vous rincez sur votre corps. Et vous parlez, vous demandez ce que je viens de dire. Vous avez la vidéo là, vous pouvez repasser la vidéo. C'est toute dévaine, toute malchance, toute guillon, toute chose néfaste, négative qui m'empêche d'avancer, qui me gêne sous mon corps. Donc, quand ça diminue, chaque fois, vous rajoutez du Saint-Michel dedans. Chaque chose a toujours une date de validité. C'est-à-dire que si vous le faites en 2020 là, il faut savoir vous l'utiliser jusqu'à toute l'année 2020. Vous pouvez rajouter à chaque fois. Fin 2020, vous allez le contenu, soit vous l'utilisez le tout pour vous laver, peut-être le 31 décembre ou autre,
Mais vous n'entrez pas en 2021 avec. Vous recomposez en 2021, c'est plutôt créateur et les mains de nos ancêtres. Vous préparez une nouvelle bouteille. Ça, c'est des petits secrets que les gens ne vous expliquent pas. C'est pour ça que ça ne marche pas. Faites les choses ainsi et ça marchera. Maintenant, je vais vous expliquer. Au cas où vous ne trouvez pas le romarin frais et l'effet de basilic fraîche, vous pouvez utiliser l'huile essentielle de romarin et l'huile essentielle basilic. Dans ce cas-là, vous mettez 101 gouttes d'huile essentielle romarin dans votre fiole et 101 gouttes d'huile essentielle basilic dans le fiole. Et vous mettez votre parfum Mont-Saint-Michel Amboué. Et même chose, vous secouez, vous mettez à tremper pendant 7 jours et vous pouvez utiliser tout en disant ce que j'ai dit au préalable. Donc, je répète encore une fois, vous pouvez l'utiliser pendant toute l'année 2020. Quand ça diminue, chaque fois que vous rajoutez dedans, vous allez constater que la malchance diminue. Mais toujours est-il, prenez toujours un bain de chance. Il y a beaucoup de bains sur la page secret pour les femmes. Nous sommes sur la page secret pour les femmes. C'est les secrets. Les secrets sont là. Abonnez-vous, partagez la vidéo, activez la cloche de notification. Abonnez-vous pour prendre des vraies recettes. Tout est gratuit ici. Il n'y a rien à payer. Tout est là. Faites les recettes comme je le dis. Et comme je vous l'ai toujours dit, et je le répète encore une fois, vous n'avez pas besoin de rentrer en contact avec Maître P. Tout est là. Faites les recettes comme je le dis. Vous êtes sur mon égrégore. Ça marchera. C'est sûr et certain. Parce que c'est plus de 30 ans d'expérience que j'ai dans le métier, que je suis en train de partager des secrets avec vous, que je sais qu'ils sont à votre portée, que vous pouvez réaliser. Donc, concernant l'acte 3 pour le mariage, ça sera fait dans les jours à venir. Et comme ça, vous allez pouvoir boucler votre histoire pour l'acte 3 pour le mariage concernant ce rituel. Je vous ai laissé d'abord les deux actes 1, acte 2 pour que vous puissiez comprendre et vous organiser. Et acte 3, c'est pour couronner le tout. Et ça sera fini. Donc, aujourd'hui, c'était pour contre tout ce qui est malchance. Malchance qui persiste. Les gens constatent qu'ils font des choses, mais ça persiste, ça persiste, ça persiste. Des fois, le travail est plus profond que cela. Raison pour laquelle je vous donne un conseil. Quand vous faites quelque chose, vous savez, on dit médecin traitant. Pourquoi on dit médecin traitant? Quand vous travaillez avec une personne, évitez de courir partout. Si vous suivez une personne, un médecin, un médium, un voyant, un guérisseur, peu importe ce que c'est, si vous avez constaté qu'avec cette personne, il y a un certain nombre de résultats qui commencent à marcher, restez avec cette personne. J'avais même fait une vidéo pour dire pourquoi rien ne marche pour vous. Il faut éviter de vous éparpiller partout parce que chacun viendra donner une version différente. Raison pour laquelle que je dis, la page secret pour les femmes, nous sauvegardons la tradition. Prenez votre petit carnet, écrivez, mettez tout dedans. Après un certain temps, je vais vous expliquer comment consacrer le cahier et mettre les forces qu'il faut dedans pour que tout ce que vous faites dedans puisse toujours marcher. Donc, mesdames, c'était votre avocat, Maître P, gardien de la tradition, avocat des femmes. Je vous aime. Prenez soin de vous. C'est très important. Prenez soin de vous. Apportez le maximum d'amour. De temps en temps, faites des petits dons, même si ce n'est pas beaucoup d'argent, même si c'est des petites pièces. Quelqu'un demande, même si la personne fait exprès, ce n'est pas votre problème. Si on vient vous demander la charité, donnez ce que vous pouvez donner. C'est la main qui donne, reçoit. C'est important. Beaucoup de personnes n'ont pas compris ça. On ne vous a pas dit de vous dévaliser, mais donner. Parce que des fois, les forces passent par des gens pour vous tester vous-même, pour voir est-ce que vous êtes une personne généreuse. Donc, donnez ce que vous pouvez. Et vous allez voir que les portes vont s'ouvrir comme ça. Ça marche comme ça. Je ne vous parle pas d'expérience, mes propres expériences que je partage avec vous. Sous ce, je vous dis, prenez soin de vous. Et à très bientôt. À très, très bientôt. Restez en vie pour voir demain.